Et les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien aujourd'hui. On se retrouve sur Fallout Shelter pour l'épisode 17. Alors que sous vos yeux ébahis, eh bien, deux de nos habitants, je vais essayer de voir qui c'est, Arthur et Creeper Friends vont aller nous faire des petits bébés. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que ça fait un petit temps maintenant qu'il n'y a plus d'épisode, eh bien tout simplement c'est que... J'ai eu encore pas mal d'emmerdes, d'emmerdes familiales, d'emmerdes avec la voiture, puis pas mal de boulot aussi. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de tourner d'épisode, j'en suis désolé. Mais maintenant, ça semble aller mieux. Donc, pour ceux qui ont marabouté pour que ça aille mieux, eh bien, ça n'a pas forcément marché. Donc, changez de marabout, moi, je vous le dis. Mais bon, là, j'espère que tout ira bien. On croise les doigts et continuez de marabouter pour moi. Sur ce, eh bien, on se retrouve donc, comme j'ai dit, pour l'épisode 11. Alors, au programme de cet épisode-ci, eh bien, déjà, le renommage de cette personne qui vient d'arriver. Donc, Craig, tu ne vas pas rester longtemps Craig. Tu vas t'appeler Iflorini. Donc, il me semble que c'est ça. Florini, je suppose que c'est comme ça, mais vu que ton nom doit souvent être pris, je suppose que tu dois t'appeler comme ça. Voilà. Donc, bien toi, tu... Ah, zut! Une attaque de brigands. Alors, normalement, les deux ici, j'ai réussi à les... Comment? À les faire survivre la dernière fois, parce que j'ai déjà eu une attaque de brigands, donc... Alors qu'ici, la porte devrait tenir. On va juste attendre que cette attaque de brigands passe. Hein. Vous voyez que niveau bouffe, eau, etc., etc., je suis plutôt tranquille. Il y a eu quelques petits nouveaux qui ont fait leur apparition. Alors que là, ils rentrent en force. Je m'en fous de cette étape-là. C'est ici que je veux être. Alors, comment ça va se passer? Vas-y, Logan, et vas-y, Skrizix, ouais, je pense qu'on est deux comme ça. Logan est à fond. Skrizix aussi. Ah mince, mais ils commencent à avoir des armes en plus. Ah, mais ils deviennent vraiment, vraiment balèzes en fait. C'est ça le truc. Ok, bon, bah Logan, on va te soigner. Skrizix aussi. Alors qu'ils continuent leur chemin. Mais bon, là, ils vont se faire défoncer, y a pas de souci. Allez, tuez-le, voilà, nickel. Ok, c'est bien passé dans l'ensemble. Je vais encore faire quelque chose. C'est que je vais augmenter la taille, enfin le niveau d'amélioration de cette porte. Donc voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais faire aussi dans cet épisode-ci. C'était, eh bien, déjà continuer à renommer les personnes. Parce que ça, si je le fais pas, vous allez me défoncer dans les commentaires. D'ailleurs, à ce propos, petite info de dernière minute, on va dire. J'arrive à la fin de la liste. Du coup, eh bien, restez informés jusqu'à la fin de cette vidéo. Car il y aura une petite chose à faire pour pouvoir laisser votre nom. Et pour pouvoir rentrer dans cet abri 155. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les infos là-dessus après. Donc maintenant, Florini, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. On va te mettre ici. Hein, comme ça, tu vas un petit peu ramener d'autres personnes. Parce que bon, ce serait bien qu'on arrive assez vite aux 60 personnes. Hein, pour débloquer le nouveau... qu'est-ce que c'est d'ailleurs la nouvelle chose qu'on peut débloquer? Niveau 60... Réacteur nucléaire, oui, donc ça me fera plus d'électricité, je pense que c'est pas mal. Alors que la porte ici, apparemment, est devenue plus blindée. Mais je vois pas vraiment en quoi. Bon, c'est pas grave. Alors que notre ami Jericho est venu ici. Par contre, ce qu'on va faire, parce que, bien sûr, attendez, je vais juste équiper aussi Florini, tiens, tant que j'y suis. Voilà, on va lui mettre un pyjama, comme ça il aura plein de charisme. Et on va lui donner un petit fusil, voilà. En fait, maintenant, j'ai vraiment pas mal de stuff. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre tout ça. Tout ce que Jericho nous a ramené. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que, en fait, j'ai la quête de upgrader 6 bâtiments. Sauf que cette quête, eh bien, demande du coup pas mal de ressources. Parce que maintenant, mes bâtiments commencent à être plutôt élevés. Et j'ai plus assez de caps. Donc, on va vendre tout ça. Vous voyez qu'il a ramené masse stuff. Et c'est d'autant mieux. Je vais peut-être juste garder un comme celui-ci, parce que je n'en ai jamais eu, il me semble. Du coup, après, tout le reste, je peux balancer, hein, je m'en fous. De toute façon, je vais réenvoyer Jericho à l'extérieur. Donc ça, c'est bon, ok. Hop, récolter.
Voilà, comme ça on se fait masse thune. Jericho, bah tu vas direct repartir en fait d'où tu viens. Et je vais te donner masse stuff de ce genre. Voilà. Et normalement tu pourrais repartir assez aisément au combat. D'ailleurs, ça devrait me débloquer une autre quête. Enfin, ça devrait me remplir, envoyer 4 résidents dans les terres désolées. Donc ce qu'on va faire aussi, bah, c'est tout ça. Ah, par contre ici, je vois que Caroline n'a rien sur elle. Par contre, elle est dans quoi, elle, Caroline? Je la vois plus maintenant. Elle est passée où? Ah, dans l'entrepôt. Bon bah écoutez, elle a pas besoin de vraiment quelque chose de spécial. Donc on va lui donner ceci et ceci, voilà. Ça le sera stuffé. Il y a aussi des petits bébés qui doivent se balader à droite à gauche. Enfin, maintenant qu'ils ne sont plus des bébés d'ailleurs. Du coup, c'est... deux personnes-ci, ben vous allez aller là. Ça, vous allez ramener des personnes et ça, c'est plutôt bien. Non, attends, alors, hops, Aurélien, toi, tu vas continuer ici. Par contre, là, c'est ici les deux nouveaux. Nicolas et Kaysar. Ben, enfin, c'est deux nouveaux, mais qu'ils ont déjà été renommés. Vous n'avez pas de stuff, donc je vais vous en donner. Voilà. Comme ceci, c'est fait. Hop, on prend ceux qui level up. Et du coup, bah, vous allez venir ici à la station de radio. Histoire de rameuter un peu des personnes et quitter un peu ce bar infâme. Donc hop, charisme ici, ce sera pas mal. Par contre, il faut que j'envoie... faut que j'envoie quelques personnes. Alors qu'ici, on a Sehan. Sehan qui est un nouveau. Donc qui lui n'a pas encore été renommé. Donc ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement qu'on va le renommer. Il me semble que qu'il n'a pas été encore renommé. Du coup ça va être, eh bien, le chien pantoufle. Voilà. Donc je ne sais plus qui m'avait demandé dans les commentaires de renommer une personne du nom de son chien. Que son chien allait être super heureux de savoir que son nom était dans le jeu. Du coup ça m'a bien fait rire. Donc eh bien le voici, le voilà. Ton pantoufle est dans le jeu. Une petite moustache. Un petit casque... casque de combinaison, là, enfin une petite combinaison, casque de combinaison, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc, eh bien, pantoufle, et il va aller dans les terres désolées, j'en suis désolé. C'est juste pour faire la quête, hein. Il va revenir, ne t'inquiète pas, on ne va pas laisser un animal sans défense. D'ailleurs, c'est vrai que dans Fallout, il y a notre ami le chien, que j'ai oublié son nom, donc de nouveau, vous pourrez vous amuser à le mettre dans les commentaires. Car comme à mon habitude, eh bien, j'oublie le nom des gens, des personnes, des objets, etc., etc. Donc vous pourrez vous amuser à me dire comment s'appelle le chien dans Fallout. Et ça aurait été cool qu'on aille justement un chien. Voilà, donc j'ai envoyé 4 résidents. Pantoufle, tu peux revenir. Voilà, tu as fait ton job, c'était vraiment bien. Alors que ici, notre ami Jericho est parti, c'est tant mieux. Voilà, donc là on a pas mal de thunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore essayer d'augmenter... une pièce, je ne sais absolument pas laquelle par contre. Bah du coup pantoufle, hop, tu vas... bah il faut récolter même quand il a rien, ça je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Du coup pantoufle, vas-y rentre, on t'attend, tu vas aller... Bah d'ailleurs je peux directement le faire je pense maintenant. Hop, on va te remettre ici, comme ça tu vas avoir de la chance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Là, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais construire alors une centrale électrique, si j'y arrive. Ah non, il y a peut-être des choses que j'ai pas encore construit en fait. Salle de sport, armurerie, salle de classe. Salle de classe, on a dit que non. Impossible. Salle de jeu, salle de fitness, bon bon bon. On va essayer de construire l'armurerie. Je vais en construire une toute petite que je vais mettre, je sais pas moi, que je vais aller mettre à la place de ce rocher. D'accord, en fait on peut pas, très bien. Ça a été sélectionné avant, donc je ne peux pas. Donc l'armurerie, on va mettre une toute petite, hein, c'est vraiment histoire de... Voilà, donc là, on a une armurerie qu'on va upgrader. Et voilà, on aura amélioré 6 salles, comme ça, c'est plutôt cool. Et on a notre boîte à tartines qui est arrivée. Donc, on a une armurerie. Ça aurait été cool qu'ils mettent un stand de tir. Mais bon. Hop, voilà.
on remonte tout ça, la nourriture, la bouffe, l'eau et la bouffe, c'est fait. Je regarde juste si il n'y a pas quelqu'un que j'ai oublié de renommer. Parce qu'il me reste encore une personne. J'aimerais bien d'ailleurs que ce soit une fille. Je vais vous expliquer pourquoi après. Si je trouve... si je trouve encore de la place. Nicolas... Mais Nicolas... Si, Nicolas, il me semble que c'est quelqu'un qui me l'a demandé. Je pense que tout le monde est renommé. Ah, ça, ça m'embête un petit peu. Ah, les termites... Enfin, les... Pardon, les rats de cafard, oh là là. J'ai de nouveau failli me faire flame. Bref, en attendant que tout ça, ça se passe, eh bien, on va de nouveau cliquer sur chacun d'entre vous. Ah, bah, tuer des créatures des terres désolées. D'ailleurs, oui, on va regarder un peu ce que... C'est quoi les prochaines... Vendre 3 armes ou tenues. Mais ça, c'est easy win pour moi. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va le faire directement. Hein. Genre, toi, on va te vendre. Oui. Toi, on va te vendre. Oui. Et puis, on va te revendre une deuxième fois, parce qu'il y en avait deux. Donc, voilà, là, on a dû vendre 3 armes. Donc, c'est très bien. Ça augmente. Tac, tac. On se refait des caps. C'est quoi du coup les prochains objectifs? Obtenir 6 tenues. Bah Jericho va sûrement nous les ramener. Perception, il me semble qu'en plus c'est avec la station d'armes. Du coup, bah toi. Donc je vais de nouveau oublier le. Bah c'est Arthur, voilà. Arthur va aller là. Bah pantoufle aussi, tu vas y aller. Voilà, vous allez être à 2 là-bas. Vous allez augmenter votre perception, comme ça vous allez me récolter un petit peu des capsules, c'est très bien. Ah bon? Ah oui, bah oui, Jericho compte avec, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que la quête augmente un peu toute seule en fait. Par contre, comme vous voyez, j'ai deux boîtes à tartines, donc on va en ouvrir une. La première, allez. Dis-moi que tu vas me donner des trucs. Oh, une nouvelle tenue! Toge républicaine. Ça c'est une nouvelle que je n'avais pas, c'est cool. Des Radaway. Radaway. Des caps. Et Dylan Snyder, il est cool, hein. C'est quoi ce faux nez là avec cette barbe? Ok, donc ça j'ai un nouveau personnage, c'est cool, c'est sympa, merci. Des caps, on en a besoin, c'est bien. De la bouffe, ça fait toujours plaisir. Une tenue, ouais. Ouh, le fusil à plasma, il fait masse dégâts. Oh là, je suis refait avec, avec tout ce que je viens d'avoir là. Alors que notre ami, eh bien, Dylan. Par contre, je ne pourrais pas le renommer, hein, comme à chaque fois, si c'est un nesting... Mince. Nesting... Eggs. Je sais plus comment on dit. Bref, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Bon, je vais y arriver à savoir ce qu'il a comme particularité. Donc, il a de l'endurance à foison. Endurance. Ça c'est A. Non, ça ne sert à rien. Et dans quoi est-ce qu'on a besoin de l'endurance? On a besoin de l'endurance quasiment nulle part. Ou c'est moi qui rêve? Eh bien, écoute, mon jeune ami, où est-ce que je vais pouvoir te mettre? Je vais te mettre. En attendant, je vais te mettre là, dans la salle de sport. Voilà, ça sera très bien. Je pense que sinon, vous êtes tous stuffés. Hein. Il n'y a pas une personne qui manque de stuff. Donc ça, c'est bien. On est à 58 personnes, donc il nous manque 2 personnes encore pour, eh bien, pour débloquer le nouveau bâtiment. Donc la centrale nucléaire. Ça, c'est aussi quelque chose que j'attends. Je pense qu'on va la mettre ici en dessous. Hein. On a de la place. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même avoir encore une personne en plus. Ça, c'est un peu la misère. Ah oui, ce qu'on va faire aussi, c'est que ici, il faudrait que la force... Il faudrait augmenter la force des gens. Donc toi, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire ça, voilà, vous allez voir. Hop, on va te mettre ici. Toi, on va... équipé du fameux canon à plasma, fusil à plasma pardon. Donc toi tu vas un peu tout péter. Ah oui mais non, t'as pas assez de force toi.
Faudrait vraiment quelqu'un qui soit ultra balèze pour défendre la porte, parce que vous voyez que ça commence à être un peu tendu du slip. On va regarder dans les habitants. Qui est-ce qui a plein de S à revendre? Arthur en a pas mal. Pas mal du tout même. Creeper Friends a vraiment masse. Il est où Creeper Friends? Je suppose que si je clique dessus... Alors attendez, parce qu'avec mes doigts j'ai un peu du mal. Alors, Creeper Friends... Là, ici, si je te clique dessus... D'accord, toi tu es la station de radio. Eh bien, écoute... On va un peu changer tout ça. Tu vas venir pour défendre ton bunker. Enfin, notre bunker. Alors, PPP... Non, c'est du S qu'il nous faut, qu'est-ce que je dis moi, du P. Voilà, ceci... ensuite, on va te redonner le point pour l'instant parce qu'on va aller échanger l'arme. Donc, le fusil à plasma qui est ici. On va lui donner autre chose, hein. C'est pas un souci. Voilà, Radaway ici, on le reprend. Et enfin, notre ami Creeper Friends qui va prendre ce fucking fusil à plasma. Donc là, on est secure, hein, clairement. Je pense que là, on est bien. Donc ça c'est bon. On a tout qui remonte hein, correctement, comme vous pouvez le voir. Et du coup, oui, je vous avais dit qu'en fin de vidéo, parce que là on va s'en approcher tout doucement hein, de la fin de la vidéo, vous allez avoir la possibilité de me renvoyer vos pseudos. Et oui, parce que là il reste plus qu'une seule personne dans la liste. Du coup, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer... dans le lien qui est dans la description, donc la description qui sera en dessous de cette vidéo, il y aura un lien vers un document Google Doc, en fait, si vous voulez. C'est un formulaire, un questionnaire même, plutôt. Et donc, la question est simple, c'est comment est-ce que vous voulez vous appeler dans le bunker 155? Donc, vous répondez à cette question en mettant le pseudo que vous voulez voir apparaître dans le bunker. Et puis, eh bien, c'est tout. Ah, ben voilà, en plus, on a des assaillants. Donc ça c'est cool. Du coup pour en revenir là-dessus, donc vous avez à mettre votre nom dans le questionnaire qui est donc dans la description de cette vidéo. Donc il y aura ce lien. Cliquez dessus, vous répondez au questionnaire. Et par contre vous n'avez qu'une chance, enfin que vous ne pouvez répondre qu'une seule fois en fait. Donc ça ne sert à rien d'envoyer 1000 fois votre pseudo. Il ne sera pris en compte qu'une seule fois. Pareil, n'écrivez que votre pseudo, rien d'autre de plus ou de moins, ou sinon bah, ça sera tout simplement pas pris en compte. Donc voilà, c'est pour juste avoir plus simple pour moi, parce que vos demandes sur toutes les vidéos, c'est vraiment très compliqué pour moi de les lire. Donc là, c'est à vous eh bien, de faire la démarche. Déjà, d'une part, vous aurez suivi la vidéo jusqu'à la fin, donc ça c'est cool. Et d'une autre part, moi j'aurais plus simple à aller chercher les noms sur ce dit formulaire plutôt que d'à chaque fois noter les noms que vous mettez en commentaire, etc., etc. Là, ça sera plus simple pour moi. Voilà, sur cette petite attaque, eh bien, on va soigner nos gens. Voilà, ils ont bien défendu la base. Bien joué à eux. Ils ont gagné de l'XP, c'est cool. Et sur ce, eh bien, moi je vais vous laisser ici. Malheureusement, je n'aurai pas la possibilité de renommer la dernière personne de mes anciennes demandes en fait. Mais ça c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez donc pas à la partager, à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à me suivre sur Facebook et Twitter aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir aussi. Et ça vous permet à vous de rester informé sur, sur l'évolution de la chaîne. Parce que, eh oui, je ne peux pas tout le temps mettre les messages du genre « Désolé, pas de vidéo ce soir », etc., etc. pour telle ou telle raison. Ou « Attendez-vous à avoir une vidéo aujourd'hui plutôt que demain ». Tout ça, ça se passe sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux-là. Je suis assez actif et j'essaie de répondre au maximum de vos demandes. Donc sur ce, eh bien, je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous l'ai déjà dit. Oui, je me répète, là, je me suis cafouillé, c'est pas grave. Donc je vous dis à ciao, bonsoir et en joie. Damn. Yeah.